Et si je te disais que demain, je vais aller me battre contre Imtarzan en MMA? Bien sûr, je suis un mytho. En fait, je me suis déjà battu contre lui et je vais te raconter cette histoire. Après une petite leçon en compagnie de Baki, on a décidé de mettre les gants et de s'affronter en MMA. Trop long. Oh, vas-y, je le fais avec mon téléphone. Là, c'est 3 minutes. Ouais, 3 minutes. C'est Madara contre Sasuke, là. Là, c'est Naruto contre Sasuke. À la base, on était potes. Tous les deux, nous avons une rage l'un envers l'autre inexplicable. Et le MMA, je pense que c'est le meilleur moyen pour lui et moi de régler nos différends. C'est parti, les gars. Si je commence le combat, on m'entend, hein? On est d'accord? Ouais, ok. Tarzan, sois un peu plus offensif, mon frère. Pas te précipiter, mais... Ouais, c'est pas mal, ça. Les gars, allez-y un peu mollo sur les low kicks, comme ça vous vous blessez pas, vous allez pas les protéger. C'est vrai. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais. Il reste 30 secondes, les gars. Oui. C'est bon, les gars. C'était bien, les gars. C'était très bien, même. Quand on est à peu près le même niveau. Ouais, ouais, bah ouais. Ça me permet d'essayer des choses. Ouais. Sans trop se permettre des choses non plus. Ouais, parce que là, t'étais un peu plus osé, tu vois. Ouais. Mais tu faisais pas non plus de nymphe. Je pense que j'en ai bien tous les deux, là. Hein? J'en ai pris un à la tête. Moi, j'en ai placé un au corps. En fait, je pense au début de round, tu dominais un peu. Tarzan, il était un peu patient. Et à la fin, il a pris l'avantage, ouais. T'as observé? Ouais, je voulais voir un peu. Mais c'est pas mal ce qu'il avait, parce que vu que vous je sais pas si vous avez déjà tourné ensemble. Jamais. Jamais. Bah, vu ouais, que vous avez jamais tourné ensemble. Lui, il a pu t'analyser un peu et comprendre ce que ta manière d'opérer, tu vois. Il était plus intelligent, là. C'est ça, il a joué plus malin. Juste avant que le deuxième round commence, vous devez vous demander, Mikey, qu'est-ce que tu as fait à ton visage? Bah, j'utilise des solides gommes. C'est des gommes par paire que tu mets dans la bouche et que tu mâches pendant 10 à 15 minutes tous les deux jours. Et ça permet de muscler les massétaires et les muscles temporaux, ce qui donne un aspect de visage plus masculin. C'est disponible sur mon site, les stocks sont enfin disponibles. Donc n'hésitez pas à passer commande, je me chargerai personnellement de tous vos envois. Assez parlé, maintenant regardons ce qu'il en est du combat entre Imtarzan et moi. Vas-y, c'est parti les gars. C'est lancé, hein. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Oui. Les gars, n'oubliez pas que c'est une vidéo, vous ne mettez pas KO non plus. Hein. Non, faut pas. Ouais. C'est bien ça. Mad, lâche-le, n'oublie pas que toi ton point fort c'est la boxe. Attention à la caméra. Non.
désolé. Elle est cassée? Non. Non. C'est bon. Ouf, attention à ça, Mike, c'est bien ce que tu fais là. Essaie de le contrer, Mike. Parce que tu vois qu'il se lance. Imad, il se lance. Ouais. Oh, 10 secondes. 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Attends. Attends. Tu m'as mis un gros foie. Ah ouais? J'ai caché, ouais. Sérieux? Mais ça sort maintenant? Ouais, mais c'est en retard le foie. Hein. Il était pas puissant. Il m'a touché. Mais il t'a touché parce qu'il t'a touché quand t'étais fatigué. Et un coup au foie, ouais, où t'es fatigué, même quand c'est tout petit, ça fait mal de fou, ouais, tu vois. Du coup, il n'y aura pas de troisième round, les gars. Si, pourquoi? Non, ça a rien. En plus, vous vous frappez fort. J'ai pas envie qu'il vous arrive, ouais, un accident, ouais. Ah ouais, ouais. J'ai pas l'impression d'avoir appuyé. Si moi je vois, hein, ça c'est des coups qui mettent KO. Hein. Ouais, ah ouais. Au kick, je trouve qu'ils étaient forts. Hein. Ah ouais, ils te frappaient fort les jambes. Aux jambes, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est dangereux, ça peut vous faire des blessures, tu vois. Putain, j'ai pas l'impression. Hein. Ah ouais. Je le montrais pas, mais ça me faisait mal aux jambes. Bah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi. Oh, ouais, je suis chaud, hein. Après, ce qu'il faut se dire là, c'est que dans un combat là, t'as perdu. Ouais. T'as, parce que tu l'as fini. Tu l'as mis un coup au foie, c'est fini. Ah ouais. Donc, si j'avais pas vomi, j'aurais été bon. C'est pas que t'as pas vomi, c'est que t'as voulu arrêter. Quand tu veux arrêter, l'arbitre il arrête le combat. Ouais, si je vomissais sur le tatami, ça continuait. Si tu recrachais vite fait un peu, ouais. Si tu commences à vomir des litres, c'est fini, frère. Non. Café. Café eau. Donc là, théoriquement, c'est fini. Ouais. Après, si vous voulez faire un dernier round, vous pouvez. Mais là, faut savoir, faut que tu saches que t'as perdu. Ouais, j'ai perdu. Ouais, là, t'as perdu. Mais c'est pas grave, pour le plaisir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Allez, c'est parti. À partir du moment où tu poses un genou à terre, malheureusement, c'est que t'as perdu. Au moment où Baki a dit 10 secondes, je pensais que c'était la fin du round. Donc, j'ai relâché les abdos. C'est à ce moment-là, en fait, que ça m'a fait un réflexe vomitif. Quand tu prends un coup au foie, ça donne envie de vomir. J'ai pu le cacher pendant quelques secondes au moment où Mitarzan m'a donné le coup. On peut le voir d'ailleurs à ma garde qui s'est abaissée du côté droit. J'ai tenu. Et alors, j'ai pas tenu assez longtemps. Du coup, c'est une défaite pour moi. Évidemment, je le prends pas mal. C'est Mitarzan, c'est mon cher ami. Mais j'ai quand même envie de refaire un combat contre lui et de cette fois-ci gagner ce combat. Évidemment, c'est le jeu. On va pas dire que je suis mécontent de cet échange parce que ne serait-ce que le seul fait que mon épaule soit restée en place pendant notre sparring, c'est déjà une très bonne victoire pour moi. Mitarzan a beaucoup progressé, je suis vraiment content qu'il puisse progresser sur un autre sport et qu'il puisse s'épanouir. Et franchement, j'ai adoré combattre contre lui parce que j'ai trouvé que c'était équilibré. Ça m'a permis de tenter des choses sans trop me permettre de tenter trop de choses non plus parce qu'il avait quand même une bonne anglaise. Mais dans tous les cas, ce n'est que partie remise. En attendant, je vous montre le troisième round dans lequel Baki nous a demandé de moins appuyer nos coups parce qu'il avait peur que... Sur un coup de malchance, il y en a un de nous qui tombe KO. Moi, c'est ce que j'aurais kiffé pour la vidéo, ça aurait fait le million de vues. Mais bon, on écoute le boss et je vous laisse regarder ça. Essaie de protéger ton foie parce qu'une fois qu'il est touché, il fait mal, hein. Dès qu'il le frôle, ça va te faire mal. Ouais. Et toi, Imad, retiens que tu lui as touché le foie, donc essaie de lui tendre des pièges pour lui retoucher. Toi, finis-le bien et toi, évite de te faire finir. C'est ça, en gros. Juste les kicks, ne tue pas avec lui. Si tu penses vomir, on prend une pause un peu plus longue. Hein. Imagine, je te vomis dessus maintenant. Au pire, celui-là, si vous le faites pour le plaisir, allez-y un peu moins fort. Ok. Ouais, vas-y. Allez. À la touche. Vas-y, allez, ça va. Ouais, c'est pas mal. Montre pas que tu t'as piqué avec le doigt dans l'œil, Iman. T'as dit quoi? Montre pas qu'il t'a mis un doigt dans l'œil. Maintenant, j'ai vu. Hein? Maintenant, j'ai vu. J'avais pas vu. Et toi, quand tu vois ça, Mike, profites-en. C'est pas mal, ça. Essaie de le distraire avec autre chose pour lui toucher le foie. Et Mike, pense à ton foie. Thank you.
bien ça, Mike. J'utilise plus ton jeu là. Attention au micro, les gars, derrière vous. Ouais. Matt, attention au triangle là. Ouais. C'est bien ça, Imad. Mike, essaie de le renverser. Il reste 10 secondes. Mike, faut que tu te dises que c'est pas ton niveau habituel. Hein. Là, ça fait longtemps que t'as pas pratiqué. Tu vois. Faut pas que tu te dises que tous ces entraînements t'ont servi à rien. Ouais. C'est juste que là, t'es dans une phase où. C'est même nous les combattants, on a des phases où on n'est pas aussi fort que d'habitude. Hein. Donc toi, dis-toi que t'es dans une phase où. Tu vois. Ouais, si j'ai dans le but de revenir, vraiment. Bien sûr, bien sûr. Faut que je parle pas cette mentalité là. T'as kiffé là déjà, ça t'a redonné des sensations. Oui. Ouais. Ça fait longtemps. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous souhaitez voir sur la chaîne. Dites-le en commentaire, je répondrai à tout le monde. N'oubliez pas qu'en musculation, vous avez des programmes sportifs sur mon site internet ainsi que des outils de calcul gratuits. Et aussi le petit nouveau, les Solid Gum, mon premier produit physique qui permet de muscler la mâchoire et de changer littéralement de visage. En tout cas, ça a bien fait ses preuves sur moi. Je vous conseille vivement de passer commande. D'ailleurs, dans chaque coffret, vous avez une petite carte qui vous dit de m'envoyer vos avances sur Instagram. Et au fur et à mesure, on va pouvoir voir de plus en plus de transformations, peut-être la vôtre. En tout cas, j'attends vos avants, envoyez-les un maximum et puis ensemble, on verra vos après. Et vous avez aussi le guide du beau visage QR code qui est à scanner juste ici. Je le cache parce que il est réservé à ceux qui commandent des solides gommes et qui vous explique tous les conseils pour améliorer les traits de votre visage sans chirurgie esthétique. Voilà, après, c'est pas que esthétique. Évidemment, si vous êtes combattant, avoir des masséters et des temporales forts vous permet de limiter les chances de vous déboîter la mâchoire et de bien tenir votre mandibule. Sur ce, la fête est déjà finie. Reste solide et la bicep toi un pin de cuisse. Peace. Il est resté à côté, il a pas bougé. Le prochain combat contre Im Tarzan, ça sera l'ami Mouille et lui contre, donnez-lui un nom, il n'a pas encore de prénom, le chat et Solid Mike. Like ! C'est pour ça que j'ai perdu en fait, c'est parce que j'ai un chat maintenant. Il m'a trop adouci avant que je parte. Tu te rends compte, j'ai adopté le chat, je lui faisais des petits câlins, d'un coup je suis allé voir un gros matou comme Im Tarzan et je devais me battre contre ce gros matou. C'était pas possible, j'étais trop adouci.